Bonjour à tous, c'est la chef Alice Balleux du Cook & Coffee. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cheesecake au spéculoos et au coulis de framboise. Voilà, une recette à décliner à volonté, donc c'est super simple, super frais. Tout le monde aime le cheesecake en général et c'est assez simple à faire. Donc aujourd'hui, je vous présente cette recette avec le Cooking Chef Experience, mais vous pouvez évidemment faire cette recette avec un robot pâtissier Kenwood sans chauffe. Maintenant, il y a des étapes comme par exemple, on va commencer par faire le coulis de fruits rouges, de framboises. Et donc là, on aura besoin de la chauffe de l'appareil, mais vous pouvez le faire dans une casserole évidemment si vous avez un robot pâtissier Kenwood. D'ailleurs, si vous avez toute une question, vous pouvez nous contacter directement au Cook & Coffee à Paris ou sur notre site internet cookandcoffee.fr. Donc, pour commencer cette recette, donc pour rester un petit peu dans la saison, on va faire un cheesecake avec un coulis de framboise. Donc, j'ai déjà mis mes framboises fraîches à mariner, entre guillemets, dans le sucre à confiture. Donc vous mettez 400 g de framboise et donc 10%, donc 40 g de sucre à confiture, tout simplement dans un saladier, dans un bol, minimum 2 heures à l'avance pour que ça ait bien le temps de s'imprégner. Et on va pouvoir mettre tout ça dans la cuve de notre Cooking Chef et faire notre bon coulis. Évidemment, vous pouvez remplacer ces framboises par n'importe quel fruit en fonction de la saison, en fonction de vos goûts. Vous pouvez également utiliser des produits surgelés, des fruits congelés ou des coulis de fruits congelés sans problème. Donc là, comme c'est des pépins, comme c'est des framboises, il y aura probablement des pépins. Donc après, soit vous les laissez si vous aimez, si ça ne vous dérange pas, soit vous passez votre coulis dans un chinois étamine pour retirer les pépins, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment selon vos goûts. Donc pour ça, donc je mets tout simplement donc mes framboises et mon sucre à confiture. Donc je rappelle, 400 g de framboise et 40 g de sucre à confiture directement dans la cuve de mon robot. J'installe le batteur souple. Donc le batteur souple, vous le fixez comme ceci, il faut bien qu'il soit plié au fond de votre cuve pour que ça fonctionne. Et donc, on va laisser remuer à feu doux, à peu près 90-100 degrés, pendant une dizaine de minutes. Donc, 10 minutes. Mélange 1. Donc, le mélange, je rappelle, c'est la petite cuillère. Le logo de la petite cuillère, donc c'est pas à droite, c'est à gauche de votre des vitesses. C'est le mélange 1 pour un mélange qui s'utilise en chauffe. Et on va mettre 100 degrés. Et c'est parti. À tout de suite. Vous pouvez mettre le couvercle évidemment. Petite précision, ce bruit est normal, c'est le silicone contre l'inox. À froid, ça fait du bruit, c'est chimique, vous n'y pouvez rien. Et à chaud, le silicone se forme au bol et ça arrête de faire du bruit. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien. À tout de suite. Voilà, mon coulis de framboise est fait. Je vais pouvoir le passer au chinois. Hop, donc je retire mon couvercle. Attention à la vapeur. Voilà, donc le fond doit être évidemment de votre cuve, doit être
quasiment propre, rien ne doit accrocher au fond, sinon ça veut dire que votre batteur souple était mal réglé. Je passe au chinois. Et ensuite, je laisse refroidir tranquillement, donc dans un premier temps à température ambiante, puis au frigo, le temps de faire le reste, c'est-à-dire la base biscuitée et l'appareil à fromage frais. Donc juste après, nous allons faire donc la base de notre cheesecake, c'est-à-dire un appareil à base de biscuits. Donc c'est très très simple. Vous allez voir, on va mettre dans notre bol multifonction des spéculoos, des digestive biscuits, donc c'est des biscuits anglais que vous pouvez trouver. Par exemple, là j'ai trouvé McVitie's qui est une marque anglaise, donc des sablés, voilà, qui sont assez riches en céréales. Maintenant, vous pouvez mettre un peu... en version française, vous pouvez mettre des petits beurres, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre un peu les biscuits que vous avez aussi sous la main. Et donc, on va les mixer dans le bol multifonction avec du beurre salé et un petit peu de sucre roux et de cannelle. Alors, ça, c'est en option, mais nous, dans notre proposition de cheesecake, on va rappeler la cannelle avec le spéculoos. Donc, c'est sympa aussi de l'avoir directement. Et donc ça formera la base de notre biscuit qu'on fera cuire au four une dizaine de minutes à 200 degrés. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà mettre votre four à préchauffer à 200 degrés. Et ensuite, on pourra donc cuire le biscuit et faire notre appareil fromage blanc et fromage frais. À tout de suite. Donc là, je vais partir sur un cheesecake de 20 à 22 cm de diamètre. Donc j'ai pris un cercle tout simplement à bord haut que vous pouvez retrouver sur le site du Cook & Coffee ou directement en boutique. Vous pouvez également prendre un moule à charnière, un moule à manquer si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Donc là, avec une toile silpat et une plaque. Vous retrouvez tout sur le site du Cook & Coffee ou directement en boutique à Paris au Cook & Coffee. Donc je prends mon bol multifonction que vous avez normalement eu avec votre robot Cooking Chef Expérience avec le couteau. Et donc je vais ajouter 115 g de biscuits spéculoos, 115 g de digestive biscuits, donc les sablés anglais, hop, directement dans le bol. Vous pouvez évidemment réduire la recette hein, si vous souhaitez. On va commencer donc par broyer ce mélange de biscuits à vitesse 3 pour obtenir quelque chose d'assez émietté. Et ensuite, on rajoutera le beurre fondu, donc 55 g de beurre demi-sel fondu, juste là. Une cuillère à soupe de sucre roux ou sucre cassonade. Et une pincée de cannelle si vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre des zestes de citron, voilà, après laissez libre cours à votre imagination comme d'habitude en fonction de votre recette. Donc le bol multifonction il s'installe en haut et donc on va mettre la vitesse. Donc on retire évidemment la température de tout à l'heure et on met la vitesse 3. Et il n'y a pas forcément besoin... bon, d'ailleurs, on va commencer par faire des pulses, c'est une bonne idée. Alors, pulse, c'est complètement à gauche, après les mélanges, c'est le petit P. Donc, on va faire 3 pulses et ensuite, on mettra sur vitesse 3. Si on voit que ce n'est pas assez broyé, ce sera plus efficace. Voilà, hop. Donc là, c'est broyé, donc c'est top. Voilà, donc il reste éventuellement des petits morceaux, mais c'est pas grave puisqu'on va rebroyer le tout.
Donc, hop, on met notre beurre fondu, demi-sel fondu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment mettre du beurre avec une petite pointe de sel. Si vous n'aimez pas le sel, vous pouvez mettre que du beurre, évidemment. Une petite pincée de cannelle. Et une cuillère à soupe de cassonade. Alors, à ajuster en fonction des biscuits que vous prenez, s'ils sont très sucrés ou pas. Et donc, on va remixer le tout et ensuite, on pourra mettre dans notre cercle. Alors, parfois, on ne sait pas pourquoi, quand on ouvre le bol multifonction et qu'on veut le refermer de nouveau, ça veut pas, ça coince. Donc la petite astuce, on prend le couteau, on le tourne un tout petit peu et là, ça referme à nouveau. C'est parce que c'est comme si le couteau se soulevait un tout petit peu. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Hop. Et donc là, on peut se mettre à vitesse 3 et mixer jusqu'à avoir un mélange homogène. Voilà, donc vous devez obtenir une genre de pâte comme celle-ci. N'hésitez pas à ouvrir le bol multifonction et à passer un coup de marée si vous voyez que ça a un petit peu de mal à mélanger. Je vous conseille toujours, pour retirer la base moteur de votre bol multifonction, de le laisser sur votre robot. C'est-à-dire que si là vous tournez un petit peu, vous retirez l'entièreté du bol multifonction. Mais quand on a fini, le mieux c'est de laisser le bol multifonction dessus et de tourner encore plus loin, comme ça, vous décrochez la base moteur du bol multifonction sans problème. Et comme ça, la base moteur ne va pas ni dans l'eau, ni dans rien, il n'y a pas besoin de la laver. Un petit coup de chiffon suffit si elle est un petit peu sale, mais il n'y a pas de raison. Et ensuite, on peut utiliser donc directement le bol multifonction en retirant le couteau et en raclant bien les fonds de la cuve. C'est pour ça qu'on utilise plus le blender pour tout ce qui est liquide et le bol multifonction pour tout ce qui est un petit peu plus dense. Donc, on va beurrer les bords de notre cercle. Allez, d'un pinceau ou sinon vous mettez un petit peu de beurre dans un sopalin. On beurre les bords, c'est difficile à dire. Hop. Voilà. Et on peut mettre le biscuit au fond de notre moule. Vous pouvez évidemment ajuster les quantités en fonction de votre moule. Si votre moule, là mon moule il fait 22 cm, donc on pourrait mettre un tout petit peu de plus de biscuits, etc. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez également faire que spéculoos si vous aimez vraiment ce côté cannelle caramel. Vous pouvez également utiliser d'autres biscuits. Hop, et on étale bien au fond de notre moule. Voilà, avec une petite spatule coudée, comme ça c'est l'idéal. Donc vous voyez, c'est bien étalé. Et donc, on va partir sur une dizaine de minutes à 200 degrés, chaleur tournante. À tout de suite. Pendant que le biscuit cuit, on va pouvoir faire donc la crème, l'appareil à cheesecake. Donc, pour ça, c'est très simple. J'ai pris un second bol, donc que vous pouvez acheter également sur le site du Cook & Coffee, un bol en Kenlit blanc qui coûte vraiment pas très cher par rapport aux deux seconds bols en inox.
Vous ne pouvez pas cuire à l'intérieur, évidemment, mais ça peut vous servir pour toutes les préparations froides. Donc, notamment en pâtisserie, ça sert pas mal. Donc, on va peser directement à l'intérieur. Donc, environ 450 g de cream cheese. Donc, là, j'ai pris du Philadelphia, mais ça peut être Saint-Moret, ça peut être voilà, le fromage frais que vous aimez, sans problème. Donc, je rappelle que là, je fais quand même un gros cheesecake, hein, puisque je fais un cercle de 22 cm. Donc, voilà, ça fait pas mal. Hein. Vous pouvez diviser les proportions. Donc, on a besoin également de 200 g de fromage blanc de 20% de matière grasse. Donc, moi, j'ai trouvé celui-là, par exemple. Et environ 200 g de crème fraîche épaisse. Donc, quand le four sonne, vous pouvez retirer votre biscuit, le laisser refroidir sur le côté et baisser la température de votre four à 135 degrés chaleur tournante, puisqu'on aura besoin donc de refaire cuire l'ensemble à 135 degrés pendant environ une bonne heure et demie. Voilà. Donc une fois que vous avez mis les crèmes, donc je rappelle, environ 450 g de fromage frais, environ 200 g de fromage blanc à 20% de matière grasse, environ 200 g de crème fraîche épaisse entière. Évidemment, vous pouvez ajuster un peu les doses, hein, il n'y a pas de souci. On va rajouter 3 œufs, 130 g de sucre roux et de la vanille si vous le souhaitez. Pas de vanille, vous pouvez évidemment mettre du sucre vanillé. Lorsque vous utilisez les graines d'une gousse de vanille, surtout ne jetez pas la gousse. Vous pouvez la conserver au frigo pour ensuite la mettre dans une préparation comme une crème pâtissière, une crème anglaise, une glace, etc. Vous pouvez également la mettre dans du sucre, dans un pot à sucre pour faire du sucre vanillé ou bien dans de l'alcool comme du rhum par exemple pour l'aromatiser. Donc surtout ne jetez pas les gousses, elles sont encore bonnes et il y a encore plein de vanille dessus. Donc ensuite vous pouvez mettre votre batteur souple, toujours le même, hop. Et on va donc mélanger 1 minute, à vitesse 2. Le but étant d'avoir un mélange homogène, sans pour autant intégrer trop d'air. Vous pouvez ensuite débarrasser donc votre appareil cream cheese à l'intérieur de votre cercle qui donc contient le biscuit qu'on a cuit tout à l'heure. Et on va faire cuire tout ça dans un four à chaleur statique pendant 1h20 environ, entre 1h à 1h30, à 135 degrés environ. Voilà, à tout de suite. Une fois que votre cheesecake sera cuit, vous pourrez le laisser réchauffer quelques instants, puis le passer au frigo, idéalement toute une nuit, puis verser votre coulis de framboise dessus au dernier moment avant de servir. Vous pouvez tenter un minimum de 2 à 4 heures de réfrigération, mais le mieux c'est quand même de le laisser au réfrigérateur pendant minimum une nuit avant dégustation. Donc prévoyez tout ça la veille de votre repas. Je vous dis à tout à l'heure pour voir le résultat.
Et voilà, après 1h20, 1h30 de cuisson, vous avez le beau cheesecake qui est prêt. Vous le laissez bien refroidir à température ambiante ou dehors si vous avez la possibilité, en fonction du temps qu'il fait évidemment. S'il fait frais, n'hésitez pas. Pendant 2-3 heures. Ensuite, l'idéal, c'est quand même de le laisser toute une nuit découvert comme ça au frigo. Et ensuite, vous mettez votre base de coulis et vous pouvez le couper le lendemain sans problème. Je vous tente quand même. Hop. Le décerclage pour vous montrer. Je mets mon coulis pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, vous pouvez étaler. Alors moi, je vous conseille de mettre au réfrigérateur avec le cercle. Maintenant, si vous n'avez pas envie, c'est vous qui voyez. Je vous ferai évidemment de jolies photos sur nos réseaux, sur Instagram, sur Facebook, peut-être même à la fin de la vidéo YouTube. En attendant, si vous souhaitez les articles culinaires utilisés, n'hésitez pas à nous rendre visite sur le site du Cook & Coffee ou directement en boutique au Cook & Coffee, aux 3 rue Paul Cézanne à Paris 8e, ou nous appeler par téléphone ou nous envoyer un mail. Vous pouvez laisser un commentaire. Évidemment, je laisserai la recette en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à nous taguer sur toutes les photos de vos préparations faites grâce à notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram, aux pages Cook & Coffee et Alice Balleux. On répond à tous les commentaires, évidemment. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.